où est ton rêve? Je dis où est ton rêve? Où est ton rêve? Où est ton rêve? Je dis où est ton rêve? Tu voulais devenir ingénieur. Je dis où est ton rêve? Tu voulais même te marier. Avoir des enfants, mais où est ton rêve? Où est ton rêve? Tu voulais faire les affaires, bâtir ta maison, mais où est ton rêve? Depuis qu'ils ont appris, ils ont tout bloqué pour que tu abandonnes. Vas-tu abandonner? Vas-tu tout laisser tomber? Non, 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 si j'étais à ta place, je me battrais jusqu'au bout pour réaliser mon rêve. Vas-tu abandonner? Vas-tu te décourager? Non, 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 si j'étais à ta place, je me battrais jusqu'au bout pour réaliser mon rêve. Toi de Miles Monroe, il venait d'une famille pauvre. Il a persévéré. Aujourd'hui, il a son avion privé. Souviens-toi d'Hélène Keller, elle était aveugle sous des muettes. Elle a persévéré. Un beau jour, elle a réalisé son rêve. La vie n'est facile pour personne. Pour réussir, tu dois payer le prix. Tu dois persévérer. Avec Dieu, tu réaliseras ton rêve. Vas-tu abandonner? Vas-tu tout laisser tomber? Non, 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 si j'étais à ta place, je me battrais jusqu'au bout pour réaliser mon rêve. Vas-tu abandonner? Vas-tu te décourager? Non, 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 si j'étais à ta place, je me battrais jusqu'au bout pour réaliser mon rêve. Lève-toi, reprends ton chemin. Gagne ce combat, c'est pour ta gloire de demain. Lève-toi, relève le défi. Va jusqu'au bout, c'est pour ta gloire de demain. Lève-toi, reprends ton chemin. Un travail n'inquiète guère, mais au bout se prépare des cris de joie. Mais ce qui rend sa joie difficile et mélange son sourire aux larmes qu'elle utilise comme eau de consolation, c'est quand il n'y a personne auprès d'elle pour lui tenir la main et lui dire pousse et prends courage quand elle manque de force. Et dans le couloir se trouvent des personnes qui sont venues pour l'accomplissement du dernier jour du 9e mois, car tous, depuis qu'ils ont aperçu son ventre, ont compté avec elle. Les heures, les jours, les semaines et les mois, sachant malgré tout qu'elle devrait affronter la douleur et la souffrance. Tous se disputent sur le sexe du bébé, selon qu'ils désirent l'avoir. Mais nul ne se soucie de la pauvre mère choisie par Dieu pour affronter cette épreuve de vie ou de mort.
Les hommes l'ont oublié, par méchanceté, par jalousie, par pur égoïsme. Mais avec compassion, Dieu la sauvera et essuiera ses larmes. Cette femme, c'est toi, c'est moi, c'est aussi tous ceux qui sont abandonnés, oubliés, délaissés, rejetés, poursuivis par la sorcellerie de leur famille, parce que les hommes pensent que nous n'avons pas le droit de réussir. Que vaut un pauvre? C'est ainsi que certains souhaitent nous voir. Mais avec Dieu, nous réussirons. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Oui, lève-toi et bats-toi. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. Je n'abandonnerai jamais. Oui, lève-toi, insiste, persiste. Car rien ne résiste à l'effort. Passe à l'action. Dieu est fidèle à sa parole. Quand il le dit, il le fait. Quand il promet, il le fait. Quand il révèle, il le fait. Rien n'est impossible à celui qui croit, car avec Dieu, tout est possible.